Et yo les gens, c'est Xena et bienvenue pour ce nouvel épisode de Monster Hunter World. Donc la dernière fois, on était allé à la recherche des écofacts des dragons anciens et on est tombé complètement par hasard sur un Devil Joe qu'on a dû lui casser la gueule, même si c'est plutôt lui qui nous a bien défoncé au début. Et donc aujourd'hui, deux choses. Déjà, donc j'ai récupéré les écofacts des différents dragons et je me suis rendu compte que je me suis trompé. À savoir, le Kushala d'Aura, j'avais bon, le Théostra, j'avais bon, mais celui du Valputrid, j'étais persuadé qu'il s'agirait d'un Caméléos, mais non, il s'agit d'un Valazak. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc, mais c'est un Valazak. Voilà. Et deuxième chose, pendant pendant que je cherchais les écofacts, je suis tombé sur une créature que je ne connaissais pas. What the? Il a pas une tête de porte-bonheur celui-là. T'as vu ses écailles? Bazelgeuse. What the heck is that? Attends, reviens, je veux te voir mieux. Je sais pas où il était parti. Attends. Machin, Bazelgeuse. T'es où? T'es par là. Ah. Donc bonjour monsieur le Bazelgeuse. Romane Conti Des. Il a l'air de s'en battre les couilles. Bon, il a l'air d'être relativement pacifique. Ou alors il m'a pas vu. Hop, on va prendre des empreintes. Ça fait des écofacts, c'est bon. C'est bon, mangez-en. Content de te voir. Il a dit, enfin le Colisée, peut-être monstruosité avant, connu sous le nom de Bazelgeuse. Oh, monstruosité, il a pas l'air si méchant que ça, et quand il m'a vu, il m'a même pas attaqué. Bonne chance. Champ de flamme. Ok. C'est marrant comment il nous oblige à battre des monstres qui ont pas l'air si méchants que ça. Tout va bien. Puis je me suis dit, bon, peu importe, ça doit pas être bien méchant, parce que de toute façon, il m'agresse pas. Puis j'ai vu les armes. Oh. Oh. Du coup, pour commencer cette vidéo aujourd'hui, on va s'occuper du Bazelgeuse. Voilà, parce que une arme qui tape explosion, c'est mon dada depuis que les armes explosives existent dans Monster Hunter. Donc autant dire depuis toujours. Alors. Enfin, depuis toujours, depuis Monster Hunter 3, quoi. Donc. Puisque on a récupéré une mission nous permettant de le battre, on mange un bout. Voilà. 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 Et donc du coup, nous allons taper ce Bazelgeuse. Alors déjà, on va refaire un inventaire correct. Voilà. Merci. Alors, donc je pense qu'aujourd'hui, donc comme je disais, on va faire d'abord le Bazelgeuse. Et après, je pense qu'on va... On va se garder Valazak pour la fin. On le connaît pas. Donc si on peut récupérer des ressources sur le Kushala d'Aura ou le Théostra, si jamais ce dragon est plus costaud que les deux autres, parce que je le connais pas du tout. Donc, dans le doute, on va faire les autres d'abord. Donc je pense qu'on va les faire dans l'ordre. On va faire le Kushala d'Aura en premier. En plus, ça me débarrassera de celui que j'aime le moins. Bon. Quoi qu'il en soit, Bazelgeuse. Alors attends, normalement il m'a dit que j'avais récupéré une quête dans les dernières, je pense. Non, c'est pas là. Est-ce que ça va être là? Il m'a dit que j'avais débloqué une quête. Ah oui, là. Là. Le Bazelgeuse. Bazelgeuse Romane Canti. Alors. Est-ce que je prends un ticket? Ouais. Je vais en faire un pour chaque dragon ancien. Ce sera très bien.
Chwing. Ok. Champ de flamme. Ok, donc c'est un monstre qui tape feu. Et vraisemblablement explosion, parce que sinon ses armes ne taperaient pas explosion. Bon, on se retrouve dès que, bah, que je l'ai trouvé. A tout de suite. Oh. D'accord. Il nous fait popper à côté de lui, sauf qu'il s'est envolé aussitôt, donc on l'a pas vu. Ok, alors... C'est de la bouse. Ok, d'accord, il a fait caca. Il est arrivé, il a fait caca, bonjour. Ah, attends, Sion, qu'est-ce qu'il raconte, Sion? Oh, l'ouragan. Allô? Merci. Alors c'est con, on l'a vu, et il est parti aussitôt. C'est par là. Ah, est-ce que j'ai pris des... Oui, j'ai pris des bras. Ah, ben il est là, parfait. Petit hommage près. Des familles. Yolé. Alors, bon, par contre, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas les premiers soins et tout le bordel. C'est pas grave. Mais non, reviens! Reviens! J'ai les mêmes à la maison. Du miel. Ah, et un trou. Ça nous faciliterait drôlement la vie d'avoir un camp ici. On se dépêche de finir, qu'ils puissent s'y mettre. Bon bah un camp, c'est cool. Ce serait bien si le camp était fait. J'aurais pu récupérer un truc. D'où c'est qu'il est notre ami? Apparemment, il est au-dessus de nous. Ah oui, il est là-bas. Suivons-le! Je sais pas comment je fais pour marcher dans les pics comme ça. Wouhou! Bonjour! Il paraît que c'est toi qu'il faut que je batte. Oui, il est gentil, il m'attaque pas et tout. C'est quand même triste de devoir taper un monstre qui nous attaque pas à la base. Il est peut-être pas si sympathique que ça. Son thème musical fait très... agressif. Enfin, pas agressif. Plutôt... Je sais pas. On verra. En tout cas, déjà, j'aime bien son thème. Déjà, c'est sûr. J'adore son cri. Ok, je peux faire ça. J'adore ses cris. On dirait une... Je sais pas, c'est une... Alors, le premier cri qu'il a fait, on aurait dit un genre d'alarme. Un genre de... Comme ça. Et je sais pas, il fait des... On dirait une tourterelle, je sais pas. Il a fait des brrrr, comme ça. Oui, je sais, je l'imite très bien. Attends, par contre, il va dans la descente. Wow! Ok, il fait des machins qui explosent. Ok, très bien. Ok, il fait tomber des petites crottes qui apparemment peuvent exploser. Oh! Ok. D'accord. Donc en fait, il fait des pommes de pain explosifs. Veux. Bon, déjà, on part sur une queue coupée. Ça commence bien comme combat. Ouais. En fait, c'est le genre de bestiaux. Il est pas méchant. Mais dès que tu l'emmerdes, il déconne pas. Pas toucher les petites pommes de pain. Elles explosent pas à la tronche. Oula. Quand il en fait beaucoup comme ça, faut pas être dessous. Aïe.
Est-ce que... Vite par contre. Ok. Alors une queue de basilgeuse. Queue de basilgeuse. Donc du coup il fait une espèce de petit caca qui font... Ah oui. Effectivement. Ok, ok. Alors attends, du coup, il est parti par où? Par là, semble-t-il. Attends, on va aiguiser. Je comprends pourquoi explosif maintenant. J'adore son cri. Je pense que d'ici... Je pense qu'en fait quand j'aurai fini Monster Hunter World, je vais me faire une petite vidéo comme ça de mes monstres préférés. Et je sais pas pourquoi, celui-là je sens qu'il va être dans le top. Soudain, j'ai vu les pommes de pin, je me suis dit « fuyons !» Comment j'ai esquivé ça? Ok, ils volent comme ça en faisant des... Ok, d'accord. Note à soi-même, ils volent pour faire tomber des pommes de pin et ensuite ils nous foncent dessus. En mode kamikaze, très bien. En kamikaze, sauf que ça lui fait zéro dégâts. Ok. Ok, 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 c'est bon à savoir. Il a plus de pommes de pin. Il se relève vite, on va le taper direct. Aïe. J'aurais dû exploser avant. Il fait relativement mal, mais ça reste gérable. C'est de ces monstres qui font des hip-checks, très bien. Aïe. Aïe. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Oh, je suis mort. Oula. J'avoue que ça aurait pu faire un petit peu mal si je me l'étais pris celle-là. Pas les pommes de paille, les pommes de pin, ça pique. Ah, il se barre. Ah, ça laisse le temps de me soigner, j'allais dire. Je disais de me soigner. Et déguiser. On va se refaire aussi un peu de potions. Parce que mine de rien, on n'a pas récupéré les... On a aussi récupéré les... Enfin, on n'a pas récupéré, pardon, les premiers soins. Donc du coup, on n'a pas de premiers soins plus. Oh, il est dans la descente. Il est dans la descente, il est dans la descente.
qu'il n'y a pas moyen. Viens par là. Piou. Viens voir papa. Ah, dommage. Oula, 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 oula. Ah, ça fait mal, hein. Ah, il y a des traces de dodo gamme. C'est rigolo. Ok, bon, il est temps qu'il est occupé par là. Piston. Et... Wow! Bonjour. Soudain, un ouragan. Attention, faut faire gaffe parce que mine de rien, c'est truqui. Ouh! Oh putain, les trois sont là, ok. Dodogama, Uragan et Bazeljose, je crois, qui s'appelle. Ouais, en fait, faut retenir. Faut retenir Betelgeuse Solomone Conti Death. Enfin, Death, je sais que ça veut dire, c'est. C'est bien bête, c'est vraiment. Bazeljose Solomone Conti. En fait, c'est. Bazeljose de Re:Zero qui s'est changé en bombardier allemand. Allemand, je ne sais pas, en bombardier. Alors, les deux autres, ils font quoi? Il n'en a pas. Apparemment, il n'en a pas. Parfait. Oh, je l'endors. Parfait. Non, l'ouragan. Non, 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 non. Tu le réveilles pas. Vilain. Vilain ragan. Vilain ouragan! Putain. Oula, je te laisse lui rouler dessus, vas-y, je t'en prie. Oula, 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 oula. Oh, pff. Comment il l'a bourré? Stomp. Dans la catégorie je t'avais pas vu venir, je demande l'uragan. Oh bah tiens, parlons d'uragan. Je veux récupérer l'objet uragan, s'il vous plaît. Voilà, écaille uragan. C'est cool. Non mais l'uragan, va-t'en. Attends, j'ai pas des bombes de boue, moi. Tiens, l'uragan, tu pues. Ça a touché. Ah non, c'est le bazar que j'ai touché. J'ai touché le Bazeljose. Du coup, il s'en va par là. Très bien. J'aimerais bouger, s'il vous plaît. Aïe. Ah. Pff, ok, très bien. Parce qu'on va le forcer à regrouper ses pommes de pin partout au même endroit, comme ça quand il va atterrir, il va tous les exploser en même temps, me rendant ainsi la tâche plus facile. Écaille basale le plus, très bien. Eagle fort. Ça c'était dans ta gueule. Oh, il est fatigué. C'est tout. Parce que s'il fait des pommes de pain explosives, ça va faire mal. Aïe. Ça pique un petit peu. Serre Bazeljose. Oh, l'interception. Oula, 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 par contre.
J'ai pas compris comment ça m'a pas déstabilisé ça. On va pas s'en plaindre. Explosé dessus, mais il m'a explosé aussi, donc c'est donnant donnant. Oh, il boite. Très bien. L'ouragan, on prend. Attention, il se casse. Et il a lâché des munitions. Explosive, oui, c'est cohérent. Alors, il est parti par là. Donc, ça veut dire qu'il à tous les coups, il va dormir tout au bout. Oui, j'ai pensé à prendre des pièges, c'est bien. Ok, il est parti de là-bas. Alors, idéalement, j'aimerais que l'ouragan ne me suive pas. Regarde par là, c'est joli. Voilà. Je ne suis pas du tout intéressant. Tu m'as pas vu. Non, 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 tu m'as pas vu. T'as cru, tu m'as vu, mais tu m'as pas vu. Effectivement, il m'a pas vu. Très bien. Et il dort là-bas. Ok, très bien. Bon, mais il est cool ce monstre! Je l'aime bien! Non, vraiment, je l'aime bien! Alors, pour l'instant, les deux bonnes surprises de Monster Hunter World, c'était. Le Lodogaron et le Basageuse. Clairement. Attends, je vais récupérer la trace, s'il te plaît. Voilà, merci. Hop, je retourne mon camp, s'il vous plaît. Ah, c'est con. Il me manque un pour avoir. Écofact à fond en bas de jeu. Bon, tant pis. J'aurai les ressources. De toute façon. Piouf! Voilà. Et on va enchaîner direct avec le Kusha Dabra, qui lui, par contre, va beaucoup moins bien se passer. Enfin. On va bien voir. Hein. Ok. Alors, j'espère que je vais avoir assez pour avoir la. Morpho H explosive, sinon je la ferai plus tard. Voilà, donc du coup on enchaîne directement avec. Bonne chance. Voilà, avec le Kusha Dabra. Merci monsieur. Monsieur. Donc on s'occupe de Kusha Dabra. Oui. Voilà, allez, parler s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir parler s'il vous plaît, merci. Donc vu que de toute façon le Basageuse nous a pas donné assez de ressources pour créer son arme, armure, tout ça, je verrai ça entre deux épisodes pour faire les améliorations d'armes, d'armure, tout ça nécessaire. Mais en attendant, on enchaîne directement avec le Kushala Daura, qui donc est dans les hauteurs, nous ont-ils dit en boucle. Alors, clac, 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 on fait ça aussi, c'est une bonne idée. Alors. Kushala Dabra, il me dit que c'est par là, donc allons-y. Ah, cinématique, très bien. Hmm. Soudain, le vent se lève. Oh putain, alors déjà que c'est violent, le Kusha Dabra de base. Mais là en plus, vous êtes en train de me dire que le vent fait des dégâts à cause des éclats de machin partout. Ouais, traduction, je suis mort. Le combat a pas commencé, que je suis déjà mort, quoi. Aïe. Aïe. Mouais. Eh. Je t'aime pas. Tu pètes la classe, mais je t'aime pas. Genre vraiment pas. Bon bah. Utilise tout ce que tu peux trouver. C'est le seul c'est parti. Moyen de survivre dans le nouveau monde. Oh, il faut toujours qu'ils soient les premiers. C'était couru d'avance. Attention, vent. Non, tu crois.
Pour l'instant, ça va. Il est pas vénère. C'est quand il est énervé qu'il est ingérable. Oui, genre comme ça. Ouais, quand il fait du vent comme ça. Ah, pas con le chat. Ouais, pas tout de suite. Je suis pas encore trop blessé. Oh, putain. Tiens, on peut pas l'approcher. Ce combat va durer des plombes. Ah oui. Et aussi les tornades qui fait reste. Pendant des plombes. Du coup, là, je peux pas aller par là. Je peux pas aller par là. Dans un ancien jeu, je m'étais retrouvé littéralement coincé contre un mur. En fait, je pouvais pas l'approcher. Aïe. Et mais attends, est-ce qu'il est sensible? Non, c'est un dragon ancien. Il me semble pas qu'il soit encore... Ah, j'ai pas pensé à en prendre. En plus, j'ai pas pensé à prendre des bombes flash. Tant qu'il est en l'air, c'est chaud de le toucher, hein. Ok, le vent ici s'est calmé, je vais pouvoir le contourner. Allez, viens là, petit. Viens là. Ça me va. Non. Aïe. J'espérais pouvoir lui grimper dessus, mais c'est un échec. Ah, je vais dire, là, si je suis pas dessus, c'est qu'il y a un problème, hein. Allez, descends au sol. Là où est ta place. Chier. Mon seul espoir, c'est de grimper dessus, là. Aïe. Bouh de la vache. Il fait mal, le salopio. Du soin. Vite. Genre, vite. Voilà. Quand il est au sol, ça va. Et... Non, c'est... J'ai cru qu'il s'était énervé. Parce que quand il s'énerve, il est juste intouchable. Oh. En parlant d'intouchable. Bonjour. Ok. Ça commence bien. Aïe. 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 Et en plus que le combat est déjà depuis beaucoup trop longtemps, je vais être contraint de prendre un truc parce que j'ai clairement pas assez. Et cette fois-ci, je vais prendre des bombes flash pour voir si ça marche. Ça, il me semble pas que ça marche, mais... dans le doute. Dans le doute, si ça marche, ça ferait un atout non négligeable. Ok. Rebonjour. Wow. C'est sa façon de dire bonjour. Aïe. Un peu brutal comme façon de dire bonjour. Bon. Après, bon, c'est pas un dragon ancien pour rien, hein. C'est normal qu'il y ait un minimum de challenge. Ok. Il m'a littéralement donné un coup de cul. Bon, alors, maintenant. Est-ce que... Ah bah il se barre. J'allais dire, est-ce que les bombes flash fonctionnent? Mais ça sert à rien s'il se barre. Je suis parti par... Par là. Par là.
Ah, bah, il a la zone avec les grenouilles explosives et tout. Donc on est bien. Allez, viens par là, viens par là. Viens par là. Boum. Aïe, parce que si je suis à côté, je vais prendre des dégâts aussi. Non, c'est bon. Il m'a poussé avant. Ah, donc là, il est vénère, voyez-vous. Il a du vent autour de lui, et je ne peux tout simplement pas l'approcher. Ça m'étonnerait, mais tu peux être paralysé. Déjà, s'il s'envole, ça marche pas. Yes! Ça fonctionne! Il me semble que des anciens jeux, ça marchait pas. Oula. Voilà, comme ça c'est mal, c'est cool. S'il a du vent autour de lui comme ça, c'est mort, tu ne peux plus le toucher. À moins que... Il a pris 0 dégâts, très bien. Peut-être que si je lui saute dessus... Ouais, je peux le toucher si je lui saute dessus, ça c'est bien. Par contre, je suis pas full vie, je suis pas serein. Je reviens un peu avant. Bon, complètement à côté, très bien. Aïe. Alors le truc c'est que là je suis dans un... enfin à proximité d'un courant d'air. Il est possible que je prenne très cher si je vais dedans et ça reste pendant des plombes. Ouais, comme je dis, tant qu'il est... Oh, il est fatigué, peut-être que je peux l'approcher quand il est fatigué. Aïe. J'arrive à mettre des petits dégâts dans les pattes de temps en temps. Ok, il se barre. Mais ouais, ça reste longtemps cette merde. Attends. Oh, il essaie de me feinter, il est allé par là pour aller de l'autre côté. Oh, le fourbe. Ah, attends. S'il est par là, on peut peut-être feinter. Peut-être qu'on peut lui mettre des caillasses dans la tronche. Yes, en plus, il est juste en dessous. Cadeau. Bonk, motherfucker. Deuxième. Ah non, je crois que je récupère mes... là. Au cas où il se renvole. Oh, il est vénère.
il va me repousser dès que je suis trop près. Ah non. En cas de blessure, repliez-vous et attendez la prochaine occasion. Je ne tolérerai aucune imprudence. Je pense que c'est une façon de dire, cette fois tu ne peux pas t'approcher. Message bien reçu, chef. Bien sûr. Tu es stun, donc du coup je t'attaque, évidemment. C'est logique. J'aurais fait pareil si j'étais toi. Mais... c'est bon. Oh mon chat, il vient de faire un petit jump. Il a trouvé une occasion, mais il n'arrête pas de bouger ce con. Oh attends. Je prends ou j'ai couché à dehors? Dommage. J'aurais aimé... oh. J'aurais aimé une gemme ou un truc comme ça, mais... malheureusement, non, ce ne sera qu'une simple écaille. Alors là, c'est le moment où... stonk. Ok, ces ailes font zéro dégâts. Enfin, subissent zéro dégâts. Oh, il a lâché les objets partout. Il doit être tant qu'il est dans la... tant qu'il est dans la brume, je ne peux le toucher. Yes, parfait. Il est au sol, parfait. Oh, il s'endort. Parfait, 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 parfait. On aiguise. Attends. Voilà. Vite, 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 vite. Ça c'est bon, ça c'est du bon dégât les gars. Aïe. Ouais, je peux bouger s'il te plaît? Apparemment non. Bon d'accord. Très bien. Ouf, oh, oh, oh. Le décor qui a failli me l'envoyer sur la tronche. Olé. Il va me falloir du soin et vite. Aïe, la patate, 2 x 1. Qui se décale de... voilà. Ah c'est bon, je vois ça. Je n'aurai donc pas besoin d'y aller à la bombe flash. Hop, juste, on se soigne. Peine de donner du soin quand je suis full vie. Merci le chat. Ah. Et bien Bartou. Bon, je suis quasiment full aiguisage, mais ce sera fait. Il est parti là-bas. Des méga potions, on prend. Des bombarils, on prend. Voilà, très bien. Évidemment. Viens par là. Donc c'est bon à savoir, hein. Ça marche. Aïe.
Hein? Le problème c'est que maintenant si jamais il se réenvole, j'ai plus de bombes flash. Voilà, exactement. On va voir qu'il a fait tomber des trucs tout à l'heure. Peut-être que... Action draconique. Ah, ça fera peut-être des dégâts. Ah, ou pas. Là, il s'envole pas, donc c'est bien. Allez, viens par là. Oh, il y a des traces. Je prends. Yes, il boite. Ah, putain. Il est parti où? Il va où? Il va où? Il va par là. Il a foutu une tornade juste devant le machin. Alors, j'espère qu'on peut contourner. Oui, c'est bon. Sinon j'aurais juste pas pu grimper, j'aurais dû faire le grand tour. Il est là-haut, je parie. Ouais, 100% il est là-haut. Très bien. Mais là, comme c'est un dragon ancien, on peut pas le capturer, donc du coup je peux pas dire j'ai gagné. Pas encore. Bon ben, pis. Hein. Voilà, c'était pas prévu, mais ça marche. Il va se vénère. Voilà. Oh, je suis dans la tornade. Voilà, là je peux plus bouger. Sauf si je me barre. Voilà, très bien. Putain, il met des tornades à trois endroits différents. Comment je l'atteins? Oh, ok. Oh, faut slalomer entre les tornades, ça va être rigolo. Quand même reconnaître qu'il est classe. Je l'aime pas, je le déteste. Mais genre, voilà. J'aime pas le combattre, il est chiant, il y a des... Les tornades, on peut tout simplement pas l'approcher à chaque fois qu'il y en a. Mais on peut pas lui enlever qu'il a la putain de classe. Voilà, faut pas que je tombe, parce que si je tombe, je retombe tout en bas. Et je sais même pas où je suis censé passer. Hop, là-haut. Je sais même pas où il est. Là. Je peux même plus l'approcher. Je peux même plus l'approcher. Aïe. Je crois que je suis mort. Ou pas. Vite soin. Genre vite. Dès qu'on est trop près, on se fait repousser et on est bloqué pendant au moins 20 secondes. Bon, j'exagère, 10 secondes. Mais contre un monstre aussi rapide, c'est criminel.
comme moi, il a bout de souffle, le machin. Ouh, la tornade, j'ai failli me la manger. Ah, je suis assommé. Je suis mal. Mon chat, s'il te plaît. Le chat. Le chat, je suis à côté de toi, je vais mourir. Ah, là, je suis mort. Si je me relève, je suis mort. Ou pas. Ou si. Ou pas, ou si, je sais pas. C'est bon. Il y avait des trucs là-haut. Ça me laisse 5 secondes de répit. Ok, il est essoufflé. Ça, c'est un vrai combat de dragon ancien. Comme on les aime. Et comme on est des putes. Le combat peut reprendre. Ouais, s'il me tue pas en un coup parce que je peux pas bouger, parce qu'il me gueule dessus en boucle. Je vole. Je m'envole, je m'envole, je m'envole. Ah, c'était bien la peine que je me soigne. Semble-t-il. Ok, je l'ai pas vu venir. Oh, nice. Convenient. Ok, très bien. Il se barre. Bon, il se barre pour revenir, hein, parce que il boitait déjà quand je suis parti, donc. Remarque, je peux refaire des barils explosifs. Coucou, je suis là. Ouais, il m'a vu. Surprenamment, il m'a vu. Ça fait longtemps que je ne suis pas gravé dessus. Aïe. Yes. Cette fois, si tu tombes, te relève pas. Te relève pas, ça vaut mieux pour toi. Ça va bien ? C'était vraiment impressionnant.
ça, c'est du dragon ancien, les amis. Et en plus, il y a un objet couché à Dora quelque part, me dit le GPS. Pas le mur, c'est cool. Corne, ok. Dommage, j'aurais aimé une gemme. Bon, bon, bon. Eh ben, plus que deux. Plus que le Théostra et le... C'était quoi le dernier? C'était pas le Caméléos, du coup, c'était le... Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cet épisode. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao les gens. Non, dommage, on n'a pas de pied. Allez, ciao, ciao les gens.